Ouais, j'ai un peu envie d'y jouer, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a tellement d'items que c'est genre c'est pas noob friendly quand même. On va essayer de vas-y, on va jouer celle qui est la moins bien rank. Puis on va go. En fait, j'ai du mal à t'sais, avoir une idée de comment percevoir le jeu, tu vois. Je sais pas si c'est clair dit comme ça, mais genre. Genre, tu vois, je me dis, j'ai envie de devenir meilleur au jeu. Mais je vois pas genre comment réussir ça. En fait, pour moi, faut juste apprendre les combos, mais du coup, c'est moins. Je sais pas. Après, en observant peut-être aussi les. D'ailleurs, attendez, on va enlever ça, on va mettre en. En x1 pour l'instant. Est-ce qu'on veut faire le combo? Ouais, je pense quand même. La potion de base, c'est quoi? Ouais. Ouais, en vrai, ouais. J'étais en train de me demander, est-ce qu'il y a des fois où ça vaut pas le coup de pas faire de craft? C'est genre, est-ce que des fois c'est pas plus rentable d'avoir un item en deux, enfin d'avoir deux items plutôt que de les combiner? Mais en vrai, je suis pas sûr. J'ai l'impression, parce que souvent le combo en fait c'est juste les deux passifs des items mais ensemble et du coup ça te fait juste plus de place dans ton inventaire. C'est l'impression que j'ai. Peut-être que je me trompe. Bon, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, tu vois, genre à ce stade-là, qu'est-ce qu'on rajoute? Je pense pas qu'on ait envie de rajouter 30 000 de bouffe non plus parce que la bouffe ça a ses limites. C'est comment déjà qu'on fait les totems? Avec une épée. Est-ce que ça vaut le coup? Peut se faire une pelle en vrai. En vrai, pour le début de partie. Pour le début de partie, ça peut peut-être être ok. Mais je pourrais faire ça pour un peu plus de dégâts. Moi, je pourrais même faire ça. Comme ça, c'est mieux, je pense. Ok. Je comprends pas ça en vrai. Item gain 10 buff. Qu'est-ce qui est considéré comme un buff en fait? Est-ce que le heal c'est considéré comme un buff? Est-ce que la régène de stamina c'est considéré comme un buff? Ça a pas l'air en vrai. Le buff, ouais, la régène, c'est un buff, la régène. Donc c'est vraiment les trucs qui sont affichés dans ton truc de stats. On va remettre comme j'avais mis au début, je crois que c'était ça, non? Non, c'était pas ça. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on veut une dague? On peut prendre une dague. Si on veut ça pourrait être sympa, mais je vais avoir un problème de type j'ai pas la place.
Si je mets ça comme ça. On pourrait faire ça, quoi. Et du coup, c'est dommage de ne pas avoir la potion. Après, en vrai, est-ce que c'est pas plus rentable de virer un champi et mettre ça? J'aurais tendance à dire que c'est plus rentable, mais le truc, c'est que du coup, j'achète ça. Après, est-ce que... Ah, remarque, je pourrais m'en servir quand même un petit moment, je pense. Ça peut me faire la transi sur la... l'armure. En fait, c'est peut-être ça que je dois virer et prendre. Ah, quoi que non. En vrai, peut-être que la dague est mieux que le champi. J'ai du mal à dire ça en vrai. On lui fait pas de dégâts. Juste à cause de son bouclier, on lui fait pas de dégâts. C'est peut-être aussi parce que. J'ai cru qu'on allait mourir. Ouais, en vrai, peut-être que la dague est moins bien que le champi. En vrai. Il faudrait que j'arrive à mettre les deux dedans, en fait. On monte. Non, mais si je monte ça de 1, c'est de la merde. Ou alors... Ouais, mais si je mets ça comme ça, c'est pas mieux, quoi. Sinon, je fais ça, quoi. Les gants, ça peut être ok. Ça peut... Après, ouais, je vois qu'est-ce que je peux prendre contre les mecs qui ont du vampirisme, justement. Peut-être, je sais pas, c'est ça. En fait, je me dis. Si on prend les gants, c'est pas pour jouer avec les dagues, je pense. Enfin, bref. Je vais acheter ça vu que c'est en solde. Est-ce que ça vaut le coup de genre de vendre ça et ça pour acheter ça et mettre les gants? J'ai un doute. J'ai un doute. Est-ce que ça vaut pas juste le coup de vendre la dague? Ouais, peut-être pas. Thank you.
empoisonne bien là, quand même, c'est cool. Mais est-ce que c'est pas le moment où THC, on met ça à la place? Pour aussi faire une baguette. Après, j'ai pas de... J'ai pas de mana. C'est vrai que c'est fort, quoi, dans l'idée, mais... Est-ce que le con, c'est de perdre l'appel tout de suite? Mais en même temps... En même temps, on arrive peut-être au moment où ça devient un peu inutile, quoi. On est d'accord que dans tous les cas, ça va prendre... Very high. Je suis en high là. Je sais pas si c'est plus rentable. J'aurais tendance à dire que j'ai plus de dégâts comme ça. Mais du coup, je perds l'économie, quoi. L'économie que j'ai avec ça. Faire un goubert aussi avec ça, hein, parce que c'est intéressant. Si on joue avec la Curse Dagger, est-ce que ça a un intérêt d'avoir un goubert? Je suis pas sûr, hein. Trigger extra attaque, inflige 2 debuffs quand ça tape. Et ça booste les items. Ça leur donne 1% de précision et 1% de chance de crit. En vrai, ça serait pas mal du coup avec les trèfles. Je sais pas. Pas grand chose pour gagner de la chance en vrai avec ça. Ça m'embête. Fais ça comme ça. Je sais pas. En fait, je me dis, est-ce que le plus intéressant, c'est pas du coup d'essayer de faire un masse de fusion pour profiter, tu vois. Genre là, du coup, on vend pas ça et on les garde pas non plus, on les transforme. Donc logiquement, c'est mieux, non? Je sais pas. Son père, juste super, super, super.
La banane, en vrai, le problème, c'est qu'elle est pas... Elle est pas incroyable non plus, quoi. Dire que oui, vu que c'est en solde, mais bon. Mais là, tu vois, ça sent le sapin, quoi. J'ai un truc. C'est pas non plus extraordinaire, quoi. C'est vraiment loin de là, quoi. Après, lui, il a l'air. Alors, je vais peut-être pas parler trop vite parce que. Ça, c'est un coup à se faire niquer. On perd. Putain, un PV. Putain, et tu vois, je le trouve nul, mais genre, on est pareil au final, quoi. On est à chier, nous aussi, quoi. Ça, c'est terrible de se dire ça, quand même. Ah, tiens, ça, c'est l'épée anti... Ah non, c'est pas ça l'épée anti-vampire. Attends, mais y a pas une épée anti-vampire, je crois. Non, mais c'est fumé, du coup. Y'a rien pour enlever le vampirisme. Alors, il faut juste des trucs qui enlèvent les debuffs. Non, buff, plutôt. Mais remove. De chance to remove a random buff. Ça, en vrai, c'est pas mal. Mais après, le truc, c'est... Quand ils disent un buff aléatoire, est-ce que c'est genre un stack d'un buff ou est-ce que c'est tous les stacks d'un buff? Parce que si c'est tous les stacks, c'est vraiment fort. Ça peut être fort aussi. Pas, enfin ouais, à part les gemmes et Mistruggle, il y a rien quoi. Et ça je l'ai jamais eu en fait. Je pense qu'il faut avoir l'unique l'autre unique. Ah, faut que je replace mes trucs, je pense. En gros, faut que mon marteau il touche là. Mais du coup, en fait, je peux faire ça, quoi. Et le gant, on peut le mettre là. À la limite. Même si ça, ça va bien nulle part, quoi. Ouais. Pas dingue. J'ai ça encore à placer. Goubert est vraiment pas dingue quand même là. C'est vrai qu'on peut se faire un sabre. Après, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est quand ça touche, ça inflige des debuffs, mais du coup, on a plus de chances d'infliger des debuffs en le stunnant, vu qu'on fait une attaque en plus. Donc, logiquement, il faut jouer sur du stun, quoi. Et à quoi, à part le marteau qui stun, je crois qu'il n'y a rien. Stun.
each badge of stone. Chance to stun. Et le stone golem. Sauf que je sais pas si c'est un craft, je crois pas. Hein. Ah si, c'est un craft. Oh, je regarde les crafts en vrai. Ça peut stun aussi. Comment on le fait déjà, Ruby Chunk? Ah oui, ça va être une carte de tarot. Mon problème, c'est qu'en stamina, on galère, quoi. Ouais, j'ai peut-être une potion pour la stamina. Je sais pas si ça vaut le coup vraiment de prendre cette potion. Le truc, c'est ça. Pour moi, ça me sert surtout contre cette classe en fait. Une potion de soin. On pourrait refaire une fusion sinon. Sinon je peux faire des dagues empoisonnées. Aussi ça stun, non? 30% de chance. Ok. Ça peut être pas mal, je pense aussi. Ça fait quoi avec la gemme? Ça vole de la vie pour chaque debuff. Et ça réduit le heal. En vrai, je pense que ça peut être bien. Hein. Ça peut être bien. Mais je pense que c'est trop tard pour prendre ça. J'aurais dû la prendre tout à l'heure, mais... Ah, il y a ça en vrai. Ouais, je l'achète maintenant, ce serait bien. Et je me demande si je vends pas ça. Le truc, c'est que ça, ça a rien à foutre ici, quoi. Faudrait que je replace, probablement. Peut-être je me fais chier pour rien avec ça aussi. Si je le mets... Ah non, comme ça, c'est pas terrible. Mon goober, il sert à rien, c'est chiant. Ouais, je l'exploite mieux, quoi. Bon, après, là, en fait, on fait des fusions aussi, donc... Enfin, des crafts, du coup, c'est peut-être pas non plus le meilleur timing pour bien placer notre inventaire. C'est plus une transition. Ça met vraiment la blinde, en vrai, de debuff, c'est cool, ça. On meurt. Putain, en vrai, après, en vrai, ce qui est bien, c'est que les fights qu'on meurt, on les perd, genre, vraiment, avec pas beaucoup d'écart non plus, quoi. C'est pas des grosses branlées qu'on se prend. Mais après, on les perd quand même, quoi, donc... Faudrait être goober, je le mette mieux, mais le problème, c'est que ça, c'est plus important à bien placer, quoi. Le problème, c'est que... Ou alors le marteau, je le mets genre comme ça.
mais je peux. Quand je fais ça. Pour l'instant, ça change absolument rien. Le truc, c'est ça, ça s'active que au début, quoi. Il faudrait limite, ou alors je mets ça comme ça en fait. Ah, comme ça, c'est mieux, ouais. Déjà plus intéressant. Je pourrais mettre d'autres trucs ici, quoi. Pour l'instant, on met ça. J'ai quand même fait 3 défaites là du coup. Il m'est cher lui. Pff. Ah c'est un délire. Mais pourquoi je meurs là? Pourquoi je fais si peu de dégâts hein? Ouais, ça va être le cheese, il se met full vie aussi. Dégâts avec ça. Pourquoi 23 dégâts en fait? Pourquoi il a 18-25? Plus 20 dégâts. Ah, c'est grâce à ça. Il fait 11 dégâts avec ça. Il fait pas 8 à 11 de base. Ah, c'est... Ouais, je sais pas. Je sais pas, juste c'est plus efficace qu'il a, quoi. Après, il a 30 armes, le mec, et il a pas de problème de stamina non plus. C'est assez... assez dingue, ça. Si on reprend ça, c'est peut-être too much, non? Je sais pas à quel point ça vaut le coup. En fait, j'ai pas senti l'impact. J'ai pas trop senti l'impact, mais bon, vas-y, on va réessayer. Hein. Faudrait que je le mette comme ça, putain. Généralement, avoir deux fois la même potion, à moins que t'aies un but spécifique, c'est pas fou, quoi. Mais là, on n'a pas un truc spécifique, donc je suis pas sûr que ce soit rentable. Le revive qui me baise. Je meurs du coup. Putain. Putain. Chier. Ah, j'ai l'impression il a rien quoi. Il fait des dégâts avec ça, son unique et c'est tout quoi. Et ça, il a un sabre, frère. Genre, il a... Est-ce qu'il a des combos, en fait? C'est de la merde. Il a de la régène, en vrai. C'est peut-être ça. J'ai pas de mana, donc ça sert à rien de prendre ça. Ça peut peut-être valoir le coup. Je
Ouais, faudrait que je trouve autre chose que le marteau. Le problème, c'est si tu joues avec les dagues, je vois pas ce que tu prends autrement, tu vois. Parce que pour les stuns, c'est vraiment cool. Lui, on l'éclate en vrai. Bon, après, il avait pas lui, il était en train de faire sa fusion de Goubert en même temps, donc. Peut-être pour ça qu'on l'éclate, quoi. Ça. Il faudrait que j'achète ça aussi. Ouais, conclu, on gagne aussi. Peut-être c'est juste les deux dernières classes qui sont juste plus fortes. Hein. Après, y a pas besoin de chercher 30 explications non plus. Hein. Juste c'est mal équilibré. Je sais pas. Ça faudrait que je le mette avec une autre un autre truc quoi. Même si je peux pas vraiment quoi. Parce que ça c'est important que le marteau il en bénéficie. Et genre, je peux pas. Je vois pas l'agencement que je peux faire. Ou alors, c'est virer une date pour mettre ça avec le. Ouais, je sais pas. Ça, je pourrais le prendre, je pense. Hein. Avec les deux holy, les deux dark et le vampirisme, là, il y a moyen de faire un truc sympa, je pense. Est-ce que j'ai encore de la place pour ça? Est-ce que j'achète? Ah, c'est peut-être. En vrai, c'était pas nécessaire, ça. Ah, ça fait quoi la fusion avec ça? Donc lui on gagne aussi, let's go. Ah. Bon on arrive à 10. C'est déjà ça. En vrai je pense que c'est pas rentable de faire ça quoi. Hein. Genre je... Ouais c'est chiant en vrai parce que j'aimerais bien continuer mais avec un PV pour moi c'est pas rentable. Bon ça reste une victoire on prend. Hein. Est-ce qu'on repart avec? Vas-y on va alterner. Ouais, je joue que ces deux classes, mais en même temps, c'est les deux qui sont les moins montées. Donc, c'est pour ça. C'est juste pour ça, en vrai. Pas vraiment d'autres raisons. J'aimerais bien, genre... Attendez, je vais mettre Backpack, Battle, Craft. Ah non, je devrais mettre Recipe. Ouais, c'est pas grave. Parce que j'ai envie de... De voir les... Ah mais je crois que c'est pas à jour. Ouais non ça a pas l'air d'être à jour. Qu'est-ce que je peux mettre pour... New update. Putain c'est chiant qu'on puisse pas avoir... Qu'on soit obligé de les faire... Je sais qu'il y en a qui aiment bien, je pense, découvrir par eux-mêmes, mais moi, perso, ça me casse juste les couilles, en fait. Parce que, enfin... En fait, du coup, si tu joues en ranked, tu sais, t'as envie de savoir déjà ce que t'as à disposition pour envisager derrière le truc, tu vois. Et du coup, ça veut dire qu'en gros, si tu veux les découvrir, il vaut mieux partir en unranked, mais t'as pas forcément envie de passer, je sais pas, moi... De passer 2 heures à essayer de faire des crafts de ces morts, tu vois. Parce que du coup, en plus, si tu essayes de faire des crafts, tu vas pas forcément opti tes builds et du coup, tu peux mourir plus facilement. Enfin, je sais pas. Et ça me plaît pas, moi.
J'achèterais pas ça aussi en vrai. Non, c'est pas un stand de battle ça. J'ai rien d'autre en stand de battle. Il va sûrement gagner. Il a plus de stats. Au moins que le heal fasse la diff. Oh, le heal fait la diff quand même. Parce qu'en vrai, il a quand même du heal avec la régène. Mais c'est vrai que moi, j'ai banane plus shiny shell. Shiny shell, ça a l'air assez fort quand même. Hein. On rachète une épée. Est-ce que je veux faire une torche? Par contre, je suis pas sûr. En vrai, pourquoi pas. Hein. Peut-être le truc, c'est... Ça dépend de ce qu'on chope derrière, quoi. Peut-être que je devrais juste attendre un round. C'est qu'après, si on attend un round, on prend du retard. C'est quoi qui m'a donné le plus de... Ah oui, c'est ça. Meurs. On overheal. On overheal. Let's go. Vive le heal. Vive le heal. J'aurais peut-être dû reroll quand même sur mon perle là. Après il a l'air assez faible quand même. Hein. C'est cool, au moins on peut se faire la. On peut se faire la, la fusion facilement. Berserk item. Quand la vie descend toute 50, entre en battle rage. C'est pas mal ça quand même. Hein. C'est fort. C'est fortiche. Putain, faut pas que je le vende. Par contre, j'ai trouvé que j'ai misclick. Putain, ça fait une fusion ça. Ah oui, ça la met en burning torch. Ah, c'est pas mal en vrai. Du coup, je vais avoir. Je vais avoir les boosts de la pyro. Plus les bonus de la berserk. Pas mal en vrai. Et du coup, avec une burning torch, on peut faire quoi? On hit 35% de chance de gagner un dégât. Putain, du coup, en vrai, si je jouais avec ça, ça pourrait être sympa. Genre, ça pourrait on pourrait essayer de booster les dégâts de ouf. Est-ce qu'on veut un goober? Je pense pas. Le truc, c'est que ça là-dessus, ça sert à rien. Vu que ça se lance qu'une fois. En vrai, ça serait là-dessus. Là-dessus, et là-dessus. Et là-dessus.
Est-ce que je peux pas en vrai faire ça du coup? Le problème c'est que ça du coup ça me touche pas. Sinon je fais comme ça. Ah mais du coup ça non plus ça touche pas, je suis teubé moi. Est-ce que en vrai c'est pas inverser ça? Voilà, comme ça. Comme ça c'est mieux. Attends, c'est quoi qui a fait 22? La torche. Et B. Et B. On se régale. Faudrait que je... Putain, faut que je refasse mes trucs. En fait, faut que le cochon... Il booste la torche et idéalement faudrait aussi qu'il booste bah, le shield du coup je pense. Du coup faudrait que ce soit comme ça idéalement. À mon avis. Non. Comme ça. Voilà. Ça faudrait que ce soit genre ici. Et du coup si ça c'est là, ça faudrait le mettre genre comme ça. Et, on... et ça on peut le mettre genre ici pourquoi pas. Et à ce moment-là, la banane, on la met là. Voilà, comme ça. Comme ça, on booste tous les trucs importants. Et après, tout le reste... tout le reste, on s'en fout. Le problème de ça, c'est que ça va pas suffire plus tard en dégâts, quoi. Je sais pas, est-ce que si on joue autour de la luck, est-ce que ça va pas suffire en dégâts? Genre les crits plus le montant de dégâts augmenté? Ça pourrait peut-être être suffisant. Je pourrais peut-être sinon essayer de faire... c'est quoi? C'est ça, non? Ça augmente les dégâts de 2. Le problème, c'est qu'en stamina, ça va pas le faire, quoi. Je vais acheter ça vu que c'est en sol pour l'instant. Je pourrais faire une potion aussi. Potion de soin. Ça c'est cool contre la. Contre le... les maîtres du poison là. Le problème en fait c'est que j'ai que 4 de chaleur. C'est pas assez en vrai. Du coup ma torche elle tape trop lentement. Est-ce qu'elle est pas assez vite? Je mettrais pas ça là-dessus. En fait c'est je sais pas. Genre est-ce que le cochon il booste et la torche et le charbon ou pas? Sinon, en vrai, c'est les gants que je devrais lui mettre. Et il y a quoi en gants intéressant, en fait? Et les gants en pierre aussi, ça donne quoi, les gants en pierre? Plus 20 dégâts, mais attaque plus lentement. Ouais, mais non, du coup, c'est pas ce que je veux. En fait, c'est ça qu'il faudrait, je pense. Peut-être que les gemmes seraient pas mal non plus. Si je booste la tête speed. Ça peut être une idée.
On prend ça en vrai. Faudrait peut-être un truc ici. Mettre la banane comme ça. Ça, on peut le mettre de côté? Non. Du coup, sinon, on peut faire ça, quoi. C'est un peu de la merde. Ça gagne. Le truc, c'est ça me sert à rien de mettre ça. Ça me sert à rien de le mettre sur mon armure vu que j'ai pas de mana. Donc en gros, c'est soit ici, soit sur une arme. Ce sera pas sur l'arme. Dragon Claw, ça donne quoi? Ah ouais, mais merde, je suis pas sur la bonne classe. Item trigger faster pendant la battle rage. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça maintenant? En vrai. Putain. Oh, ça gagne. Putain, c'était juste. Je pensais qu'on allait perdre. Je m'étais dit, si on avait eu la Dragon Claw, on n'aurait pas perdu avec les chances de résister au poison, je pense. Et finalement, on gagne quand même, ça fait plaisir. Et lui aussi, tu vois, il a ça. Ça a l'air vraiment quand même assez fort hein, sur le début de partie. Je prendrais bien... Je prendrais bien, genre, des clovers. Je pense. Je sais pas le moment où je vends ça en fait. Ça là-dessus à la limite. Ah oui, je me demandais à quoi c'était lié ça. Mais du coup ça seul truc dommage c'est que ça va pas proc là-dessus quoi. Est-ce que c'est grave? Je pense pas hein. Je sais pas si ça vaut l'investissement honnêtement. La topaze 16, c'est quand même énorme comme investissement.
Alors, stamina, en fait, j'ai du mal quand même. Oh, c'est en paire, ça. Première défaite. C'était pas fou comme fight. Elle met trop de temps à scale la torche, hein. Out of stamina. Problème de stamina aussi. Out of stamina. Out of stamina. J'ai pas de bouffe. En fait, il me faudrait la potion de stamina là, la jaune. Ouais, le prendre ça, ouais. Même si il faut que j'arrive à le placer, quoi. Le placer comme ça, c'est un peu dommage, mais bon. En vrai, il y a moyen que je fasse mieux. Comme ça. Mais je te dis, je pense que la torche, c'est dur à faire transi. Enfin, c'est dur à utiliser en fin de partie, quoi. Peut-être que je devrais trouver autre chose. Ouais, ça joue pas grand chose quand même. Hein. Mais on perd. Du coup, ça reste pas ouf. Ah, sinon, ouais, ce qui serait bien, c'est justement avoir le. Le dragon. Peut-être le dragon serait pas mal. Ça nous ferait des dégâts en plus et ça irait bien avec la torche, justement. Mais bon, le problème, c'est qu'on l'a pas, quoi. C'est pas mal, ça, en vrai, aussi. Hein. Le problème, c'est que... On va placer ça, quoi. Je peux le mettre ici, mais ça proc que sur un truc. En vrai, ça on va pas le mettre. En vrai, est-ce que c'est pas mieux d'avoir ça plutôt que ça? Je sais pas, en vrai. On tente. En vrai, je pourrais peut-être aussi vendre le coffre à gemme. Genre,
On est à un stade où j'en ai plus trop besoin. Il a encore le phénix, il va gagner. En vrai, c'est quand même... Ouais, je m'attendais à ce que ce soit pire en termes de combat, quoi. Bon, après, ça reste pas terrible, mais... Et là, ça... Là, ça permet de faire ça. Pff, en vrai, je trouve pas ça... Pas ça giga intéressant en fait. Il est tellement mieux comme fusion avec avec les vampires. Ah merde. Je pense que c'est juste que mon arme elle est pas assez bien pour ce stade là quoi. C'est vraiment la sensation que j'ai. Je pense que je vais perdre contre lui aussi. Il régène de fou en vrai avec, avec l'Excalibur. Ouais. Ouais, je suis pas sûr que ça c'est mieux. Ouais, je sais pas, je pense qu'on est... On est un peu dans la sauce là. On a plus. On a plus assez de. De peps. Pas assez scale. Oh, let's go, on gagne contre lui quand même. Après, bizarrement, on perd que contre les pyros et les berserks. Bizarrement. Moi, je crois que j'ai une défaite contre une Reaper. Je crois. Et si je partais là-dessus, ça serait peut-être mieux que ça, mais il faudrait que j'ai le combo et tout. Je pense que c'est trop long. Sinon, ça, en vrai. En vrai. Est-ce que je remplace pas la torche par ça? Le problème c'est que en termes de taille c'est un peu plus compliqué quoi, mais en vrai c'est peut-être mieux. Hein. Le problème, c'est que la précision est à chier, quoi, mais bon. Je pense que c'est mieux comme ça. De toute façon, on n'a plus qu'une vie, donc bon... Soit on réussit, soit on crève. Les petits crits à 40-60, là, ça fait plaisir, quand même. Et là on fait que miss. Oh là là. En vrai, je pense que là on a un truc.
Sympa. On va essayer de faire comme ça. Je sais pas si c'est vraiment mieux, mais... Ça, c'est Oli aussi. Hein. Ah non. Le truc, c'est que si je le prends, je sais pas où je le place, quoi. Et ça, c'est embêtant. Peut-être à la place de ça, en vrai. Ah, vraiment. Vraiment, en vrai, j'ai presque envie de tenter ça. Même si, je pense, on va quand même crever. Mais j'ai envie de le tenter. Pourrait proc là-dessus, genre. Je me demande si ça vaut pas le coup de virer le shield pour mettre des clovers. Honnêtement. Ou alors je mets ça à la place. Il faudrait que je réarrange le tout. Il faudrait que je réarrange le tout. Le problème, c'est que... putain, c'est chiant. Je vais descendre tout ça. Merde. Ça de 1. Ah mais ça du coup faut que je le descende aussi. Ah merde. C'est pas grave en vrai, je peux faire ça. Monter ça. Ah, c'est pile entre les deux, super. Ah, la musique est pas la même là. Let's go, la première victoire. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Il booste son mana. Il a full mana, mais du coup, pourquoi? Il a rien qui en profite, vraiment. Ouais, bizarre, hein. Peut-être que ça, ça peut être rentable, mais en fait, je sais pas. Sinon, ouais, c'est ça qui peut être rentable, je pense. Avec le mana. Faudra un emplacement. Il faudrait plus d'emplacements en fait. Ouais.
Coup dur, c'est une berserk qu'on a perdu. Bon après je dis ça mais on joue Battle Rage aussi quoi, mais bon. Allez. Let's go. On approche l'invincibilité là. Je pense que ça nous a bien aidé. Hein. Ce qui nous a mis midlife avant nous. Il fait des dégâts avec quoi, avec ça et ça? Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça, on peut le mettre ici. Je sais pas. En fait, le truc de ça, c'est que... C'est pareil, en fait, quand ils disent 10 debuffs, en vrai, c'est quoi, c'est 10... Par exemple, si t'as 10 stats de poison, ça compte comme 10 debuffs? Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait? Je pourrais limite mettre ça avec la couronne, ça donne quoi déjà? Détruit 10 d'armure et clean un debuff pour chaque emplacement libre ou item au lit devant. Et à 25 de mana devient vulnérable. Ah mais le truc c'est 25 de mana quoi. Ça prend combien en stamina? Ça coûte 1. En vrai, je pense que c'est limite rentable d'avoir que ça. Parce qu'au final, je tape vite, donc ça compense le fait que ça te claque pas beaucoup de stamina. On reprend ça. J'aurais pas la place. Hein. Non, j'aurais pas la place. Il y a le dragon, mais c'est un peu tard, je pense. Et si je le mets là, on va mettre ça en dessous et on met le marteau ici. Limite, ça serait bien de les mettre dedans, mais bon. Le problème, c'est que j'ai pas. Ou alors je libère ça. On descend tout de 1. Ah mais si je descends de 1, ça descend ça aussi. Ah non, c'est moins bien. On peut pas mettre ça à quelque part. Comme ça. Ce qui est bien en fait de jouer dans cette partie là, c'est que tu vois un peu les builds craquer, tu vois. Et du coup, ça t'apprend des trucs. C'est pour ça que j'aime bien généralement le faire, mais après, si t'as un PV, tu vois, c'est compliqué d'y aller. Après, là, on se sent bien, donc c'est cool. Avant, on aura fait au moins 3 victoires. Et on a gagné. Alors, vraiment, on a beaucoup de dégâts là, et ça, c'est vraiment pas mal, hein. En vrai, le truc, c'est que je vois pas ce que je rajoute, là. C'est ça, le problème. À part des trèfles, quoi, en fait. Je vois pas ce que je rajoute, là. Je pourrais rajouter un cochon, mais le truc, c'est qu'il reste plus qu'un combat. Et en vrai, est-ce que c'est même utile d'avoir un cochon? Surtout qu'en fait, le cochon, je le mets sur rien, là. Putain, je suis trop con, depuis tout à l'heure. Sur quoi je pourrais le mettre? Ça proc là-dessus? Est-ce qu'il y a un truc sur lequel ça proc? Il y a ça. Et c'est tout. Ouais, donc mon cochon est un peu gaze. Hein. Ouais, allez. Mais je pense pas que ce soit rentable, hein. Ça c'est plus intéressant là.
Est-ce que c'est mieux d'avoir un Earth of Darkness? Vol de bof priorise la régène. Se déclenche plus vite pour chaque objet dark. Et ça de base c'est quoi? C'est pas la même chose quand même, genre ça. Au lieu d'augmenter mon heal, ça diminue celui de l'adversaire. Après, en vrai, vas-y, on a qu'à faire comme ça. On lance et puis voilà. Il a full arme, lui. Il a full arme et il perd pas de... Il perd pas beaucoup de stamina quand même, hein. Et on gagne, let's go. On a gagné les 4 fights. Ça fait plaisir. Non, en vrai, c'était le bon choix, du coup, de prendre ça. Clairement incroyable avec les crits. Bon, c'est bien, au moins, on aura fait au moins une bonne... une bonne game, quoi. Mais encore une fois, la game qu'on gagne, là, on la gagne aussi grâce à ça, quoi, je pense. Hein. Le fait d'avoir eu le badge de loup qui nous permettent d'avoir des items de la berserk. Au final, on ne gagne pas avec nos items, quoi. Bon, ça fait plaisir, quand même. Plus 20. C'était quoi? C'était plus 12, autrement? Let's go. GG.